Bonjour et bienvenue chers amis, pour le message du tarot, vous avez la femme sorcière, zéro. Hein, on part d'une nouveauté, c'est nouveau départ pour vous, parce que le zéro là, avec l'oracle, parle de femme sorcière, et puis surtout regardez, je suis, en toute simplicité, je suis. Donc pour vous, ici ça va se travailler, en tout cas pour certains d'entre vous à qui ce message parlera, le travail va porter sur qui je suis, et surtout, regardez-moi ça, il y a un changement de votre vision de vous-même. Vous avez le pendu, vous avez le 8 de coupe et vous avez le 5 de bâton. Un conflit, une dispute, quelque chose qui est difficile et compliqué pour vous ici, parce qu'on sent avec ce 5 de bâton que c'est difficile, que c'est colérique, il y a beaucoup, beaucoup de colère qui est rentrée, mais en fait, qui d'un coup là explose. Et qui vous permet de prendre conscience de votre insatisfaction. Quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas du tout, là. Et ça vous permet, et là, c'est l'arcane majeur, ça vous permet de prendre conscience que ce n'est pas ça que vous voulez. Vous voulez être vous. Vous voulez revenir à l'essentiel, à l'essence de votre être. Vous voulez revenir vers quelque chose qui est à l'intérieur de vous-même. Vous ne voulez plus faire semblant. Vous ne voulez plus chercher à plaire à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Vous ne désirez plus être dans satisfaire les besoins et les désirs des uns et des autres. Vous voulez quelque chose qui met en avant votre propre valeur. La reine de Denis nous dit « Je prends soin de qui je suis moi, pas de ce que quelqu'un ou quelque chose souhaite que je sois. Je reviens à l'intérieur de moi pour écouter mon cœur et mon âme. Je reviens à l'intérieur de moi pour prendre conscience de mes besoins et surtout de mes espoirs. Parce qu'il y a un espoir ici qui va renaître. Il y a un espoir qui va venir à vous et qui va vous dire, « Non, non, dis donc, ça ne vous convient pas. Ce n'est pas ça que tu veux. Ce n'est pas toi ce qu'on te propose, ce que tu fais ou la situation dans laquelle tu es là, ce n'est pas toi. Toi, tu es quelqu'un qui prend soin d'eux, qui prend soin de toi, des autres, qui... Et dans la délicatesse, dans la liberté, vous allez voir que vous allez vous redécouvrir. Et cette redécouverte de vous-même vous conduit à impulser un changement. Ce 8 de coupe est confirmé par un arcane majeur, parce que vous avez deux arcanes majeurs ici, l'étoile et le chariot, qui nous disent que là vous impulsez un changement, vous suivez l'espoir de votre cœur. Vous suivez avec ce 4 d'épée, quelque chose qui remonte à votre conscience, parce que le pendu nous dit cela, ça remonte à votre conscience et vous allez suivre à la lettre les instructions de votre cœur. Vous allez suivre à la lettre ce quelque chose qui vous redemande et qui vous demande, je ne sais pas pourquoi je dis redemande, mais apparemment c'est rebolote, de prendre les choses en main. Parce que ce conflit va éveiller, réveiller votre désir de écouter ce qui compte pour vous. Je crois que ça va vous renvoyer à vous-même, ça va vous dévoiler qui vous êtes en réalité. Vous allez aller au cœur de votre âme et vous allez comprendre ici que ça ne peut plus durer comme ça, que vous ne voulez pas et vous ne voulez plus être dans cette situation-là. La roue, la fortune. Donc il y a vraiment un changement important qui se prépare pour vous. Il y a cette prise de conscience que vous avez besoin, la lune, que vous avez besoin d'écouter votre intériorité. Il y a ici le pendu, la lune, le 4 d'épée, qui nous parle de cette intériorité qui permet d'extérioriser une insatisfaction, c'est-à-dire la prise de conscience que ça ne vous convient pas, mais tout ça, ça va être déclenché par un conflit. Tout ça va être déclenché par quelque chose de l'extérieur où d'un coup, ça vous demande de prendre les choses en main et de continuer et de faire et d'agir en fonction de ce qui vous intéresse vous. Et cette
idée de changer une situation, de modifier quelque chose, ce 4 de bâton nous dit que vous prenez les choses en main pour revenir à la racine. Pour revenir à la racine où il n'y a pas cette toxicité. Ce diable, vous allez justement le déraciner de votre cœur, de votre conscience, et ce diable va être déclenché, en tout cas sa disparition, va être déclenchée par un conflit extérieur, par une situation en fait qui va s'imposer à vous. 9 de deniers. Là, vous prenez conscience que vous avez besoin de confort. Vous voulez être beaucoup plus confortable, beaucoup plus à l'aise. Dans la matière, vous ne voulez plus être dans les idées des autres, vous voulez être dans votre espoir, dans vos idées à vous. 4 de coupe. Et c'est là que vous allez avoir l'opportunité, la possibilité de le faire, puisqu'on va mettre fin à une attente. En fait, cette attente, c'est prise de conscience qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond que vous devez prendre en considération. Chevalier de coupe. Et bien, en fait, ça va réveiller ici votre désir et votre envie de partir, de partir vers quelque chose où votre cœur est entendu. On n'entend pas ici votre cœur, on n'entend pas votre désir. 2 de coupe. Je pense que ce conflit va vous pousser dans les bras d'une autre situation. Ce conflit est là justement pour que vous vous réveilliez. Vous avez besoin d'un éveil, d'un réveil, pour que vous puissiez prendre enfin connaissance et surtout conscience que ce n'est pas pour vous. Vous avez la force. La force est à l'intérieur. C'est pour ça qu'on sent que c'est quelque chose qui, vraiment, finalement pour vous, c'est une évidence. Ce sera une évidence parce que vous avez dépassé quelque chose de difficile. C'est inconscient, ce dépassement est inconscient. Mais là, il devient conscient. Et donc, vous avez terrassé, vraiment terrassé une peur. Ce diable qui était tout à l'heure dans notre tirage, vous avez terrassé à l'intérieur de vous une énergie toxique et là, grâce à ce portail, il y a cette révélation de vous-même à vous-même. Vous prenez conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de vos espoirs et surtout de votre désespoir par rapport à cette situation-là. Et vous avez ce chevalier d'épée qui nous dit, là, vous avez cette connaissance et cette conscience qui est une évidence pour vous. Et ça vous permet et ça vous donne la force d'impulser quelque chose, d'influencer une situation pour le dépassement de ce 5 de denier. Je pense que vous retrouvez un espoir qui vous permet de dépasser une situation compliquée et difficile. Le roi d'épée. Et surtout ce dépassement va se faire sur le long terme. C'est-à-dire que ce roi d'épée nous dit qu'il va y avoir beaucoup de travail à mener. De choses qui seront mises en place pour atteindre une certaine prospérité au plan de la matière. Vous avez ici l'as d'épée. Ah ben alors là, ça vous fait comprendre sans difficulté, sans aucune hésitation, ce que vous avez à faire. Ce que vous avez à faire, c'est écouter votre cœur, écouter votre désir, écouter votre espoir pour vous libérer, pour retrouver cette libération face à une insatisfaction. Et ce conflit, en fait, ne va faire que vous révéler à vous-même. Et c'est son rôle, ce conflit qui vient vers vous, c'est-à-dire cette situation difficile qui vient vers vous, en fait, ne va faire que vous dévoiler la force intérieure, vous dévoiler la racine de qui vous êtes. Alors, avec la roue de la fortune, nous avons le 9 de coupe. Parfait. C'est un très bon changement pour vous. C'est un très et 2 de coupe. Waouh. Alors, ça peut être une rencontre. Hein, parce que là, vous avez, pour ceux qui... Parce que ce 5 de denier nous parle quand même d'une situation difficile où vous vous sentez seul. Alors, ça peut être sur tous les plans, hein, une rencontre. Ça peut être une rencontre professionnelle. Ça peut être une rencontre personnelle, amicale, amoureuse. Quel que soit le domaine, c'est quand même une rencontre qui va vous faciliter la tâche, qui va vous faciliter la vie, qui va vous faciliter cette prise de conscience, 7 de coupe. Parfait, 7 de coupe qui nous parle ici de aller à la racine pour vous débarrasser d'illusions. Aller à la racine de votre intériorité. La lune nous parle de l'intériorité, nous parle de l'inconscient. Et vous aviez au départ le pendu. Et il y a cette idée, ça remonte, et le 4 d'épée nous le confirmait aussi, ça remonte de l'inconscient et ça va vers la
conscience. Il y a une prise de conscience qui est évidente et claire. La tempérance, l'équilibrage, le rééquilibrage, parce que cette prise de conscience sur cette insatisfaction, ça vous libère. Ça vous libère d'une incompréhension. Ce conflit est là au bon moment, au bon endroit, pour vous révéler à vous-même. Vous avez le diable. Eh oui, le diable, en fait, ce conflit, au premier abord, paraîtra comme quelque chose de très négatif, mais en fait, c'est une très bonne chose pour vous. C'est une très bonne chose pour vous. 10 de Denis, qui nous dit que ça vous permet de retrouver, en fait, votre prospérité, votre désir, votre envie. Ça vous permet de travailler, vous avez le 4 de coupe, ça vous permet de travailler sur votre propre libération. Vous allez vous rendre justice. Vous avez la justice ici. Vous vous rendez justice au plan émotionnel. C'est pour ça que vous avez cette rencontre qui va vous faciliter la tâche, qui va vous faciliter cette libération. Et vous voyez, avec le 5 de denier, vous avez le 5 de coupe. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous rend malheureux et vous n'êtes pas satisfait. Et ce conflit va le mettre en lumière. Vous vous sentez seul. J'ai l'impression comme si quelqu'un vous poussait ici. Et comme si on vous abandonnait. Vous avez l'impression d'être noyé dans quelque chose qui n'est pas vous. Vous êtes dépassé. Et comme si quelqu'un ici est en train de vous pousser vers le bas. Je ne sais pas comment vous exprimer ça. C'est comme quand vous êtes en train de vous noyer. Au lieu de vous donner la main pour sortir de l'eau, en fait, on vous met la tête sous l'eau. Voilà, c'est l'idée qui sort de ce 5 de coupe. Et vous avez parfait. Vous avez le 2 de coupe. Regardez, 5 plus 2 égale 7. C'est vraiment une libération. Vous allez vous rendre compte que la rencontre que vous allez avoir ici, c'est quelque chose qui va vous libérer d'une illusion, qui va vous donner la connaissance et qui va vous faciliter la prise de conscience. Ce quelqu'un vraiment vous donne la capacité de dépasser une situation par la compréhension. En fait, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas compter ici sur les gens. Vous aviez cru que vous pouviez vous reposer sur quelqu'un, vous prenez conscience que vous vous êtes fourvoyé, que c'est une illusion en fait. Soit on vous a maintenu, soit vous-même vous vous êtes maintenu dans l'illusion, mais quelle que soit la situation, vous allez vous dire, mais non, finalement c'est pas ça. Mais en fait, vous allez avoir une nouvelle rencontre, et c'est cette nouvelle rencontre qui va vous permettre de comprendre ce que c'est que de compter sur quelqu'un, de pouvoir compter sur quelqu'un. 10 de coupe. Waouh! Eh bien écoutez, 10 d'épée, 10 de coupe nous parle bien de la fin d'une situation où vous comprenez qu'il y a quelque chose d'autre bien plus sympathique pour vous, bien plus intéressant pour vous et surtout bien plus fort et puissant pour vous. En fait, vous comprenez qui vous êtes grâce à une autre personne. 7 de coupe, c'est exactement la même énergie. Il y a cette libération d'illusion, la papesse. Mais parce que vous comprenez quelque chose qui provient de votre... Il y a vraiment, ça insiste lourdement, si je peux dire ainsi les choses, sur cette idée. Il y a une prise de conscience claire, nette, qui vous donne la force de vous confronter à une situation, de vous confronter à une personne, de vous confronter à quelque chose. 6 de bâton. La victoire est la vôtre, la réussite est vôtre. Et cette victoire, ce dépassement, cette prise de conscience, ce retour à la racine, vous libère ici une nouvelle opportunité dans la matière. Et cette nouvelle opportunité, j'ai l'impression que pour vous, ce sera la rencontre. La rencontre d'une nouvelle personne qui vous redonne de l'espoir, qui vous redonne une autre approche de vos propres émotions. 3 de bâton. Vous avez enfin le cœur, la force du cœur pour quitter quelque chose, pour laisser quelque chose derrière vous. Et le 8 de coupe tout à l'heure était au même endroit, c'est-à-dire vraiment vous comprenez. 9 de denier qu'il est utile et fondamental de vous libérer. Mais ce conflit, en fait, met tout ça en avant. C'est ce conflit qui va vous montrer, va vous démontrer qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Et vous allez le faire parce que ce page de bâton nous dit « Vous faites sans aucune difficulté, sans problème. » 8 de denier, c'est « Vous faites, voilà, vous allez le faire parce que vous comprenez parfaitement que c'est à vous d'agir, c'est à vous de faire. » 5 de bâton. 5 de bâton, c'était l'énergie qu'on avait également ici, si vous vous souvenez bien. Ah non, ça c'est le chevalier. Hop, la voici, 5 de bâton. Et il y a cette idée de
Voilà, c'est un conflit qui vous oblige quelque part à agir. Et cette obligation n'est pas une obligation. Et en plus, vous allez être aidé par quelqu'un, par une nouvelle rencontre. 7 de bâton, ça vous éveille, ça vous réveille à vous-même, à votre désir, à votre espoir. C'est votre espoir qui se réveille ici et qui peu à peu prend de la force, de la puissance qui grandit, qui se développe. Et c'est le développement de cet espoir-là qui est libérateur pour vous et qui vous permet, regardez, après cette impératrice, de retrouver cet empereur, c'est-à-dire une autorité, autorité sur vous-même et autorité sur la situation. Vous prenez la décision, notamment vous êtes capable de prendre la décision pour impulser un changement. Voilà, vous avez le chariot avec le 4 d'épée, vous impulsez un changement ici où vous êtes convaincu. Et 4 d'épée, c'était l'énergie qu'on avait ici. Donc c'est vraiment votre intériorité qui vous conduit à une prise de conscience et vous donne la force d'impulser un changement. Et d'impulser un changement où vous allez être accompagné par une personne qui va vous permettre de prendre conscience de ce que c'est que de compter sur quelqu'un. Parce que là, je crois que vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un dans une situation délicate. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.